Hello, donc on est mardi 27 décembre et je commence le dernier vlog de l'année. Voilà, je commence aujourd'hui parce que hier, je ne sais pas ce que j'ai foutu hier matin, mais du coup, j'avais pas le temps de filmer. Donc voilà, je le fais ce matin pour faire un petit point sur mes avancées depuis vendredi dernier. Alors, j'ai pas avancé des masses parce que week-end de Noël oblige, voilà, j'ai dû faire mes bûches et j'ai réussi cette année. Donc, normalement, vous avez dû voir la photo que j'ai mis au tout début du vlog. J'ai réussi mes deux bûches parce que j'ai trouvé une nouvelle recette pour le biscuit. Qui se roule limite tout seul. Donc je vous mettrai le lien en barre de description si jamais ça vous intéresse d'avoir une recette de biscuit, j'ai envie de dire limite inratable et qui se où il n'y a pas de problème pour le rouler après. Enfin voilà, je vous le mettrai comme ça si jamais vous êtes en recherche, et ben voilà une idée. En tout cas moi j'étais ravie. Les bûches ont eu un succès fou. Je me suis même fait à moitié enguirlander par mes enfants, puisque on était chez ma belle-sœur et j'ai laissé. Voilà, je suis pas repartie avec mon reste de bûches. Et mes enfants m'ont dit, mais tu les as laissés là-bas? Bah oui. Bah et nous, c'était trop bon, hein. Donc je suis bonne pour en faire. Régulièrement, on va dire, hein, voilà. Mais bon, bref, donc ça c'était pour Noël, donc je n'ai pas beaucoup avancé. J'espère que pour vous, le réveillon de Noël s'est super bien passé, que vous avez été gâtés, que vous avez passé de bons moments en famille, et puis que voilà, que tout s'est bien passé pour vous. Et puis on va y aller, je vais vous montrer ce que j'ai avancé. Alors, j'ai avancé évidemment le sâle de la couronne de la forêt. Hop, donc je vous montre. Voilà, hop, dans le bon sens. Donc là, en fait, j'ai fini ce matin le fond. En fait, donc là, j'ai fait tout le fond. Il me reste à faire, hop, un petit gland ici, des petits zigouigouis ici, comme ça, là, des mini. Enfin, comme des étoiles, mais voilà, donc j'en ai une là, et puis une autre, je ne sais plus où, enfin, il me reste des zigouigouis à faire, et le petit oiseau qui est là, que je me suis gardé pour la fin, mais là, voilà, ce matin, j'ai fini tout le fond, et il me reste donc le petit oiseau, un petit gland et des petits zigouigouis que j'ai laissés dans voilà, le point arrière, et j'aurai fini l'étape numéro 3 du sâle de la couronne de la forêt. Et donc voilà. Donc c'était pas l'étape la plus passionnante parce qu'il y a beaucoup de fond, mais c'est sympathique quand même parce que même là, voilà, le rendu est toujours aussi beau. Les glands là, ils sont super jolis. Après là, il faut le point arrière pour avoir le rendu définitif joli, mais bon voilà. Et donc il me reste le petit oiseau et j'ai hâte de voir comment ça va donner. Donc il sera fini d'ici la fin de la semaine, puisque l'objectif est de finir au 31 décembre, donc samedi, cette étape. Et normalement, ça devrait être bon, puisque le petit oiseau, il n'est pas énorme, énorme, donc je devrais y arriver. Ensuite, j'ai continué toujours ma toile de Star Wars, où je suis en train de faire Luke là, et donc je vous montre. Voilà, j'ai commencé les cheveux là. J'ai arrêté là pour l'instant parce que après je pense qu'on n'est plus dans le visage. Là, ça doit être fini. Et puis là, c'est plus confetti. Enfin là non, là c'est du noir, mais là c'est plus confetti. Et là, j'avais pas envie. Donc en fait, je me suis fait cette partie-là où c'était beaucoup de noir uni. Comme ça me permettait d'avancer, puisque mes moments de broderie étaient plus courts, enfin, en tout cas plus rares, on va dire. Donc voilà. Et j'aime toujours autant le rendu. Donc après, voilà, je vais me lancer dans les cheveux, là, tout, tout, tout. Pour après, là, on part sur
la princesse Leia là, et j'ai hâte aussi de faire son visage à elle, qui va être dans des couleurs vachement pas aussi claires que là. Donc voilà. Donc c'est là que je vais partir pour remonter. Voilà. Et je pense aussi qu'il faudrait que j'avance là pour vérifier que je suis bien au niveau de la largeur, parce que quand j'ai préparé la toile, je sais pas, vous, est-ce que vous allez le voir là? Non. Hop, si je défais. Oui, voilà. Je vais y arriver. Si je défais, vous voyez qu'au niveau de la toile, ma limite, elle est là. Donc en fait, il me reste pas beaucoup de marge là. Et il faudrait que je vérifie que je tombe bon et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise à la fin. Voilà. Donc normalement ça devrait être bon. Comme le but après c'est de le mettre dans un cadre, même s'il n'y a pas beaucoup de marge, normalement ça devrait le faire. Donc voilà, donc je tiens bon. Ouais, bon ça tient pas, je remettrai après. Je tiens bon mon objectif du mois de décembre, qui était de faire le visage dans l'ombre et de commencer et d'avancer sur les cheveux. Donc on est bon, je suis dans les clous. Donc voilà. Donc c'est un projet que vous verrez tout au long de l'année 2023, puisqu'il faut que je continue pour arriver au bout, dans l'espoir de le finir quand même, alors pas rapidement, hein, puisque pour rappel, je suis toujours à 5-6% du patron, ce qui veut dire que je n'avance pas très vite, mais voilà, il faut que j'avance, parce que sinon mon fils va me mettre la pression. Et puis je sais que certains d'entre vous attendent et surveillent mon avancée également avec beaucoup d'attention. Donc voilà. Je tousse toujours, hein, on s'en sortira jamais. Mais bon. Niveau lecture, j'ai terminé dimanche soir. Oui. Dimanche soir, le tome 3 de la trilogie Les Puissants de Vic James, avec le troisième tome, donc Libre. Et donc j'ai terminé la trilogie et que j'ai énormément aimé. Je vous la conseille fortement parce que c'est une trilogie hyper dynamique. Il se passe des choses. C'est pas, y a des gentils et des méchants. Mais c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. L'intrigue est super bien foutue. On s'ennuie absolument pas. Et la fin est cohérente. Enfin, voilà, c'est tout bien. Moi, je serais bien resté un peu plus longtemps avec les personnages. Et j'aurais bien aimé un peu plus de. Enfin, pas un peu plus d'explications, on va dire. Mais c'est vrai que la fin, on sait comment ça se termine, on devine certaines choses, mais on n'a pas la confiance. C'est une fin un peu pas ouverte, mais voilà, on comprend ce qui se passe, voilà, et on est quasi sûr de ce qui s'est passé, mais voilà, ça se termine peut-être un peu pas trop vite, parce que c'est fait de telle façon, voilà, mais j'aurais bien continué quelques temps pour voir un petit peu d'évolution après la fin de ce qui se passe, quoi. Mais sinon, non, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et donc, c'est une trilogie que je vous recommande. Même si vous n'aimez pas la fantasy, c'est pas un univers de dingue très... irréaliste, enfin voilà, c'est pas réaliste parce que ça reste une dystopie et c'est pas une société qui existe, mais ça reste sympathique, même si on n'est pas fanat de fantasy, ça passe. Donc voilà. Et j'ai commencé ce qui sera ma dernière lecture de l'année, et je suis pas sûr de la finir d'ici le 31, mais on s'en fout. Donc c'est L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel aux éditions Gallmeister. Je l'ai emprunté à la bibliothèque, et c'est le nouveau roman de l'autrice
qui avait écrit, enfin qui a écrit aussi Betty, qui a eu énormément de succès. Alors j'ai Betty dans ma pile à lire, que j'attendais avant de lire, parce que il a tellement eu un succès énorme où tout le monde ne fait que des louanges sur ce roman que moi j'ai attendu que ça retombe un peu pour le lire, parce que quand c'est comme ça, en général, j'attends énormément de choses et après je suis déçu. Et puis bah là finalement en fait je vais commencer par le deuxième roman. Comme ça, voilà, on verra bien comment ça va se passer. J'ai lu 100 pages en fait, voilà, je l'ai commencé hier matin. Et c'est un roman un peu particulier puisque on est dans une petite ville de l'Ohio. Il y a une canicule de ouf, il fait une chaleur à crever. Et le procureur de la petite ville là, passe une annonce dans un journal et invite le diable. Voilà. Et sauf que, donc en plus, l'histoire est racontée par son fils qui rencontre un jeune garçon devant le palais de justice et ce jeune garçon se présente comme étant le diable. Voilà. Et donc, j'en suis au tout début. Et c'est alors déjà l'écriture est sympathique, c'est très agréable à lire et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Là c'est trop tôt pour parce que on est quand même vraiment dans le début, voilà, il y a certaines voilà, le petit garçon il annonce qu'il est le diable et sur sa façon de parler en plus il est un peu étrange, voilà, donc ça place bien le mystère autour de lui quoi. Mais c'est trop tôt pour que je puisse vous en dire plus que ça. Donc voilà, j'aime bien. Donc j'avance tout doucement dans le train, sur le chemin du travail, forcément. Voilà, plus le soir un petit peu et le matin aussi. Pendant que je tricote et donc je vous montre quand même mon avancée tricot sur le pull de French Coast. Alors, je vais vous remontrer l'image. Des fois que vous auriez oublié ou que vous arriveriez ici pour la première fois. Hop. Patron qui est tout chiffonné à force d'avoir été dans mon sac. Donc voilà, c'est celui-là. Le French Coast de Nadia Crétin, les chaînes que moi je fais en couleur unie sans faire les rayures. Et donc j'ai rejoint les manches. Et le devant et le dos, et je suis sur la mer de Jersey, du corps, donc, hop, dans le bon sens, voilà. Hop, voilà, j'en suis là, voilà, donc bah, la dernière fois que je vous l'avais montré, je crois que j'avais même pas réuni, si j'avais réuni, je sais plus, enfin bref, donc voilà, donc là, on a réuni le dos et le devant, et j'ai tricoté tout ça sur le corps, voilà. Et comme c'est du uni, c'est du jersey en droit en rond, c'est 100% lecture compatible. Et donc dès que j'avance dans mes livres, je tricote en même temps. Donc voilà. Je me suis dit que j'allais vous le montrer quand même. Là, je ne voyais toujours pas le côté pas uni de la laine, mais avec il y a des petits. Ça fait comme des petits speckles de couleurs plus claires, mais bon, bref, à la lumière artificielle, de toute manière, je crois que j'y arriverai jamais. Donc voilà, je n'ai pas avancé ma chaussette. Je crains pour mon objectif qui était de la finir pour le 31 décembre, sinon il faudrait que j'arrête de tricoter ça et que j'avance la chaussette. Mais bon, bref, j'ai fait la tige, j'en suis toujours à là. Faut que je l'avance, évidemment, après il ne me resterait plus que ça et les côtes, je devrais pouvoir m'en sortir, mais j'avoue que j'ai un peu plus de mal à tricoter en lisant quand je fais la chaussette parce que j'utilise, vous voyez plus, je suis là, j'utilise les petites aiguilles, voilà, et ça pour, je suis obligé de regarder mes mains quand même quand je le fais parce que les aiguilles sont tellement petites qu'il faut bien tenir, donc c'est plus compliqué. Mais bon, bref, je vais avancer quand même, peut-être, ce sera la surprise de la fin d'année, j'aurai peut-être fini quand même, on verra bien. Et puis voilà, là concrètement sur la fin de semaine, il faut que je finisse donc le sale de la couronne de la forêt et il faut que j'avance mon Little Dreamer puisque je vous avais dit je veux commencer la lune, donc
voilà. Et je vous retrouverai plus tard dans la semaine pour vous montrer justement comment j'ai avancé sur ces deux projets et peut-être la chaumière aussi, parce que je ne l'ai pas pris là, mais je crois que la semaine dernière, en plus, j'ai oublié de vous montrer mon avancée dans un rush, donc j'aurais pu vous montrer là, mais voilà, faut que je l'avance encore un petit peu. De toute manière, là, je suis dans le fond avec les arbres et les petites pointes de couleur pour voir comment ça va rendre définitivement et si je continue ou pas de faire ce projet. Voilà. Et il faut aussi que je fasse ma vidéo bilan de l'année 2022 avec mes projets pour 2023 avec des petits objectifs que je me suis fixé. Enfin bref, il faut que je fasse la vidéo et que je vous la sorte aussi. Donc voilà, en attendant, il va falloir que je me prépare pour aller au travail. Donc je vous laisse là et je vous retrouve plus tard. Hello, je profite le téléphone qui se met en route tout seul pour enregistrer, c'est sympathique. Mais ça tombe bien, j'étais partie pour enregistrer ce nouveau rush de vlog. On est vendredi matin, c'est le dernier jour de la semaine. Et avant de partir, je viens vous faire un petit point sur mes avancées depuis la dernière fois que je vous ai pris. Cette semaine, je me suis levée plus tard, donc j'ai moins avancé que ce que je peux avancer d'habitude. Mais je viens vous voir quand même, je reviendrai vous voir demain. Parce qu'il y a des... Je vais vous montrer le salle de la couronne de la forêt. Je pensais bien pouvoir vous le montrer aujourd'hui avec tout fini, mais en fait non, à pas grand chose près, mais quand même. On va commencer par ça. Je vous montrerai demain quand il sera tout fini, parce que vraiment il me reste pas grand chose. Donc je vous le remontre. J'essaye de ne pas perdre mon aiguille. Donc voilà. Et vous voyez que j'ai fait le petit oiseau qui est là. Et en fait, il me manque une ligne de croix là en diagonale et là pour le finir, à part l'œil que j'ai pas fait encore, pour le finir sur ce qui est les points, les croix pleines. Et après, il faudra que je fasse les points arrière et là, le dernier petit gland qui est là, que j'ai commencé avec un reste de fil mais que j'ai pas fini. Donc voilà, il m'en reste pas beaucoup pour avoir fini l'étape du mois de décembre. Je suis dans les temps, sachant qu'aujourd'hui je finis à 15h30, même si je suis pas en télétravail parce que c'est les vacances, donc moins d'effectifs au travail en présentiel, donc j'y vais. Mais je finis à 15h30, donc je serai rentré suffisamment tôt pour pouvoir finir le petit oiseau et le gland ce soir. Bon, le point arrière, je ne me fais pas d'illusions, il sera pas fini demain. Parce que demain ça va être préparation du réveillon du nouvel an, comme en plus c'est nous qui recevons cette année. C'est voilà, il faut tout faire sur la journée de demain, donc ça va être chaud les marrons, mais je viendrai quand même vous voir demain matin pour vous montrer le point de croix terminé sur tout le fond, et après il ne me restera qu'à faire les points arrière que je pourrais faire dimanche calmement. Pour le premier jour de cette nouvelle année. Donc voilà, j'aime toujours autant le rendu. C'est toujours aussi beau. Enfin bref, ce patron est super. Je ne peux que vous encourager à le faire parce que il n'est pas si compliqué, il n'est pas si confetti que ça. Il y a des petites zones, voilà, mais sinon il se fait très facilement. Si on fait une page par jour, parce que Julie, par jour, n'importe quoi, par mois, parce que Julia l'a découpé comme ça, et ça se fait très bien tout en faisant autre chose à côté. Donc c'est vraiment un patron génial. En plus, quand on voit le rendu, c'est magnifique, quoi. Donc ça vaut le coup. Au moins on a le bonheur de faire les petites croix et la satisfaction derrière d'avoir un joli rendu. Donc ça, c'était pour le salle de la couronne de la forêt. Ensuite, j'avance toujours ma toile de Star Wars. Voilà. Donc, je suis toujours sur Luke. Hein. Et voilà,
Bon, j'ai choisi d'avancer là le noir parce que du coup c'est plus facile. C'est pas une zone confetti. Il y a les trous blancs, c'est là où je dois faire d'autres couleurs, mais sinon là j'ai choisi de faire majoritairement du noir. Parce que du coup le soir devant la télé c'est plus facile. Et puis après je vais compléter avec les petits trous pour remettre la couleur. Et en plus je pense que je vais faire ça alors pas ce soir devant la télé puisque j'ai prévu autre chose dont je vais vous parler après. Voilà. Mon objectif du mois de décembre était de faire le visage et de commencer les cheveux. C'est chose faite, je suis dans mon timing, on va dire. Donc voilà. Et puis là, bon, on va rentrer les nuances de couleurs, parce que là, pour l'instant, c'est noir, noir. Voilà. Mais sinon, le rendu est toujours aussi beau. J'aime toujours autant, et c'est toujours un plaisir à faire. Donc voilà, des projets enthousiasmants qui permettent de se détendre, d'avancer et d'avoir un joli rendu derrière, ce qui est l'essentiel. Donc voilà, et sinon, quoi dire de plus? Rien d'autre. C'est pareil, il n'est pas si confetti que ça. Ça se fait avec Pattern Keeper, parce que le patron papier est vraiment fait avec des symboles en noir et blanc qui peuvent être plus compliqués à lire, alors qu'avec Pattern Keeper, enfin, je vous l'ai déjà dit, mais on sélectionne le point, ça le met en surbrillant, c'est plus facile, il apparaît en vert, alors on peut changer la couleur, hein, mais moi je l'ai laissé de base, les points à faire sont en vert, donc ça a vraiment, on sélectionne un symbole et ça met en surbrillance tous les symboles du patron. Donc c'est plus facile de faire Pattern Keeper, nickel chrome. Donc voilà pour l'avancée. Lui je vous le remontrerai pas demain parce que je ne vais pas l'avancer ce soir, puisque ce soir j'ai prévu de terminer ma chaussette. Puisque je vais vous montrer. Hop, j'ai pas besoin de la plotte, puisque comme j'avais tout défait, voilà. J'ai fini. Hop. Donc j'ai fini la tige. Il faut qu'il me reste que les côtes à faire et le rabattage. Donc c'est ce que j'ai prévu de faire ce soir devant la télé. Mon conjoint et ma fille vont voir Avatar 2 au cinéma ce soir. Donc moi je reste à la maison avec mon fils qui a été le voir la semaine dernière au cinéma. Moi, Avatar 2, voilà quoi, 3 heures. Plus de 3 heures de film. Donc moi, je sais pertinemment que je ne tiendrai jamais et que je vais m'endormir dans le cinéma. Donc ça ne sert à rien. C'est pas un film qui me transcende de ouf. Donc j'attendrai facilement, on va dire, qu'il sorte en gratuit sur les différentes plateformes qu'on peut avoir. Donc mes enfants, enfin, ma moitié et ma fille vont au cinoche. Donc je vais avoir ma soirée pour moi, parce que mon fils va squatter la console, hein, toutes les occasions sont bonnes. Donc j'ai prévu de me faire les côtes et le rabattage de ma chaussette. Comme je ne fais que 10 rangs de côtes, ça devrait aller normalement, j'espère bien la finir ce soir. Comme ça je pourrai vous la montrer finie demain et j'aurai atteint mon objectif de finir cette paire de chaussettes. Enfin, puisque quand j'ai regardé sur mon petit carnet où je coche, enfin où je note les rangs, je l'ai commencé cette chaussette le 15 novembre 2021. Voilà, je l'avais mis en rade, enfin voilà. Là, je l'ai bien reprise, puisque depuis que je l'ai repris, là, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, j'ai tout fait avancer, puisque celle-là, en plus, je l'avais toute défaite, puisque je m'étais arrivé à la fin, je ne pouvais pas l'enfiler puisque j'avais fait un rabattage trop serré. Donc là, priez pour moi que je puisse faire le rabattage qui va bien et qui soit suffisamment élastique pour que je puisse passer la chaussette. Parce que là, je la redéfais pas. Hein. Si ça passe pas, tant pis, ça serait une chaussette décorative. Voilà, parce que non, faut pas déconner. Donc voilà. Et sinon, pour terminer sur ce rush, on va parler
un petit peu lecture. Je suis toujours dans L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel aux éditions Gallmeister. J'en ai eu 300 pages. Voilà. Il m'en reste 200, ce choix qui fait près de 500 pages. C'est ma première découverte de la plume de l'autrice. Je n'ai pas lu Betty, je l'ai dans ma palle, mais je ne l'ai pas lu. J'ai commencé par celui-là. Je suis assez mitigé pour l'instant. Alors, pour l'instant, je dis ça, j'ai lu 300 pages, donc voilà. Mais je trouve que le rythme est assez inégal, en fait. Il y a des passages qui sont très, très intéressants, très prenants, enfin voilà. Et après, on retombe dans des passages un peu plus lents, un peu plus lambinous, enfin, qui sont moins... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà. Le rythme est inégal et aussi, c'est perturbant dans le sens où il y a une double temporalité, mais qui n'est pas annoncée. C'est-à-dire qu'on lit et d'un seul coup, on tourne une page et on se retrouve avec... parce que l'histoire est racontée du point de vue de Fielding, qui est le fils du procureur qui a passé l'annonce pour inviter le diable à venir dans leur patelin. Et donc, on suit ce fils. Et c'est lui qui raconte ce qui se passe. Et en fait, on le suit aussi à l'âge adulte. Et il se remémore des souvenirs de ce qui s'est passé ce fameux été. Voilà. Et donc c'est assez perturbant, on lit et d'un seul coup, si on n'est pas été très attentif, un petit moment de déconcentration, on ne pige pas tout de suite qu'on est passé avec le vieux Fielding et qu'après on repasse au jeune pendant l'été. Enfin, voilà. Donc c'est assez. Voilà. Pour l'instant, c'est assez dubitatif, on va dire, on verra bien sur la fin. J'aime bien les thèmes abordés, les thèmes aussi abordés, thèmes de société, différents sujets. J'aime bien, mais pour l'instant, c'est pas non plus la lecture transcendante de ouf qui t'emporte. Voilà. Donc je pense que c'est le genre de roman où il faut attendre la toute fin pour savoir. Après, ça se lit facilement parce que la plume est agréable. Voilà. Mais sinon, au niveau de l'histoire, voilà. C'est pas. En tout cas, pour l'instant. Des fois, sur la fin, on a un truc qui fait que on regarde notre lecture d'une façon différente. Mais pour l'instant, c'est pas. Voilà. Ça se lit, mais c'est pas de ouf. Voilà, voilà. Et c'est tout. Donc là, je reviendrai vous voir demain pour, alors pour vous c'est en 3 secondes, pour le sel de la couronne de la forêt finie, et on fera un point aussi sur le puzzle, qu'on avance, mais du coup je vous montrerai demain, puisque ma moitié va peut-être avancer aujourd'hui, moi aussi, quand je passe à proximité, j'en mets 2-3, voilà, enfin, bref. Donc je vous montrerai demain, en fait, demain matin, pour ce qui sera le dernier rush de 2022 et qui vous montrera où va s'arrêter ma... Comment dire ? Où va s'arrêter ma créativité de 2022 et après on reprendra sur 2023 sur des nouveaux projets, non, mais bon, on continuera les projets en cours, mais voilà, il y aura une photo, on va dire, de... ce que j'aurais. Là où j'en serais arrivé à la fin de 2022, bref. Voilà, je reviendrai vous voir demain pour vous montrer tout ça. Et puis, il faut que je prenne le temps de prévoir mon année 2023 et de vous tourner la vidéo. Je pense que je l'attendrai dimanche matin en fonction de mon état, vu l'heure à laquelle on va se coucher. Dans la nuit du samedi au dimanche, suivant mon état du dimanche matin, je tournerai la vidéo dimanche matin, ou sinon après je la tournerai que le week-end d'après. On verra bien, vous aurez la surprise de voir arriver cette vidéo qui vous présentera les projets que j'ai prévu de faire en 2023.
Donc moi, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Hello, donc c'est parti pour le dernier rush de ce dernier vlog de l'année. On est samedi matin, c'est le dernier jour de l'année. Donc le dernier petit point qui vous montrera la photo, enfin, ce sur quoi je me suis arrêté le 31 décembre. Donc on commence par le puzzle, hein, parce que sinon après je l'oublie. Donc c'est toujours voilà ce puzzle là de Clémentoni qui est une illustration de Chuck Pinson. Hop. Et donc voilà où on en est. Ça avance tout doucement, on fait les petites maisons, ce qui est plus facile à faire, et puis après on complète au fur et à mesure. Donc voilà, moi j'aime bien. Il est agréable à faire, en fait c'est vrai que c'est plus facile avec les petites maisons, il y a les fenêtres qui aident, et en plus elles sont de différentes couleurs, donc on arrive bien à identifier à peu près quoi va où. Voilà, et donc alors c'est plus ma moitié qui le fait en regardant la télé que moi. Moi j'en fais un petit peu en passant à côté, et ça me met des fois en retard pour certains trucs parce que c'est addictif. On met une petite pièce, on cherche, machin, et puis on se dit on fait 5 minutes, et au final on fait plus que ça. Mais bon, voilà où nous en sommes. Maintenant la question ça va être de savoir ce que j'en fais ce soir, puisque c'est nous qui recevons et qu'il est sur ma table de salon. Il va falloir que je le pose, enfin je le pousse quelque part pour le protéger, même si les enfants sont grands maintenant et donc on risque pas de nous faire des bêtises dessus, mais bon on ne sait jamais, enfin bon, bref, voilà où nous en sommes et vous verrez la suite l'année prochaine. Voilà, donc on se retrouve face caméra. Normalement, vous avez vu l'avancée du puzzle. Et maintenant, on va faire le point sur tout le reste. Alors, j'ai raté certains objectifs. En même temps, je dis ça comme ça, mais merci la SNCF qui, hier, ne m'a pas permis de lire autant que je voulais, parce que mon train du matin avait une demi-heure de retard et c'était pas possible, donc en fait j'y suis allé en voiture. Et qui dit que j'y vais en voiture dit que je me prive d'un voyage le matin et d'un voyage le soir, de lecture dans le train. Et du coup on va faire la lecture tout de suite. Je suis toujours dans L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Et j'en suis là. Si j'avais pu lire hier dans la journée, et voilà, peut-être j'aurais pu le finir aujourd'hui. Là, c'est bof. Je suis toujours aussi perplexe sur cette lecture, qui n'est pas désagréable à lire. Il y a des passages intéressants, machin, mais j'attends de voir la fin, parce que j'ai du mal à voir la cohérence de l'histoire. Donc, bon, voilà, j'attends d'être arrivé au bout. C'est comme je vous le disais hier, voilà, ça se lit bien, il y a une inégalité dans les passages entre ceux qui sont très très prenants, intéressants, et puis après pouf, ça retombe un petit peu, voilà, mais sinon peut-être que tout se passe dans les dernières pages, qui sait, on verra bien. En attendant, vous le saurez dans le vlog de la semaine prochaine, puisque je vais pas le finir aujourd'hui, mais j'espère bien le finir dimanche. Demain, voilà, pour commencer lundi sur une nouvelle lecture. On va faire après, on va faire quand même les ratages d'objectifs avec le tricot. Donc je vous montre ma chaussette. Je vous avais dit hier que je vous la montrerais finie. Alors, elle était finie il y a 2 heures. Mais elle est de nouveau pas finie. Donc, je vous la montre, voilà. J'ai fini la tige. J'ai fini les côtes, voilà, donc il y a 2 heures, elle était finie, j'avais fait le rabattage, mais ça passe pas, voilà, donc je vous avais dit que si ça passait, tant mieux, et si ça passait pas, tant pis, ça ferait une chaussette décorative, mais en fait j'ai pas pu, voilà, donc j'ai fini, j'ai rabattu, ça ne passe pas mon pied, donc j'ai défait le rang de rabattage, voilà, et maintenant il faut que, parce que en fait comme ça, là, ça passe. Donc, la question est de trouver un moyen de rabattre pour que... voilà. J'ai essayé... Alors, je pense qu'avec la différence avec l'autre chaussette, c'est que celui-là, j'ai 2 mailles de moins.
sur la tige, le tour là, avec ces deux mailles, c'est ça qui fait toute la différence. Je ne sais pas, enfin bref, donc, du coup, il faut que je trouve un rabattage qui me permette de passer mon pied. Donc voilà, vous le verrez lundi, pareil, parce que je ne désespère pas de la finir. Si je la finis pas aujourd'hui, voilà, je la finirai le 1er janvier, oui. Donc voilà, mais sinon, on va dire que j'ai 99,9% atteint mon objectif qui était de la finir. Il me reste ce satané rabattage qui fait suer. Voilà! Hop! L'autre tricot, bah, c'est mon pull French Coast de Nadia Crétin les Chênes. Je ne vous montre pas l'image parce que je vais vous montrer dans la semaine peut-être. Bah, ça avance tout doucement. Voilà. En même temps, c'est. Non, en même temps, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Bref, on s'en fout. Voilà. Je suis sur le corps et là, j'arrive au bout normalement. Hop. Ah, je vais me baisser, je vais disparaître. Hop là. De ma deuxième pelote, en fait, il me reste ça. Donc en fait, je vais tricoter tout ça. Et après, je vais l'essayer pour voir où j'en suis au niveau distance sur moi. S'il tombe suffisamment loin, enfin bas, on va dire. Et il me reste. Hop. Évidemment, c'est le bordel. Il me reste deux pelotes entières et en fait c'est des pelotes qui font, elles sont longues, je crois qu'elles font 400 mètres. Où c'est marqué? Mais c'est 400, elles font plus ou moins 420 mètres. Donc en fait je pense qu'avec une pelote je peux faire les deux manches. J'entends du bruit. Non, bref. Je peux faire les deux manches dans une seule pelote. Mais bon, de toute manière, là. Je vais finir ma pelote qui me reste pour voir. Je vais l'essayer pour savoir où je suis. Mais de toute manière, avant de finir, avant de finir le corps, je veux dire, je vais commencer les manches pour avoir après la bonne distance. Parce que ça m'est déjà arrivé, en fait, de faire tout le corps. Le corps est à la bonne longueur, sauf qu'en fait, quand on fait les manches, la façon dont on relève les mailles, et ben des fois ça resserre un petit peu et du coup quand on a fini le corps avant, je me suis retrouvée avec des pulls qui étaient trop courts parce que quand on l'essaye comme ça, on tire et ça étend l'emmanchure, mais quand la manche est faite, c'est plus la même chose en fait, puisque là, forcément. Alors, attendez, quand je vais vous montrer. Là, on a raccordé le devant et le dos, bah en fait, voilà, suivant comment on fait les manches. Ça remonte, alors pas de 15 cm, on est d'accord, mais ça remonte toujours un petit peu et c'est traître en fait pour faire le corps. Donc je vais faire ma fin de pelote là, je vais arrêter le corps à ce moment-là, je vais faire les manches et ensuite quand j'aurai fait les manches, je pourrai finir le corps puisque le haut du pull en fait sera bon. Donc. Après ce sera vraiment que ajuster la fin du pull pour qu'il cache le début du fessier. Voilà, donc vous vous doutez bien que mon objectif de janvier va être de finir une manche, histoire de pas être, j'ai dit on met des objectifs atteignables, donc une manche en janvier, une manche en février, la fin du corps en mars, et hop, il sera encore temps de le mettre et ce sera bon. Voilà, donc ça c'était pour le tricot. Et on va finir avec la broderie. Donc, je vous montre. J'ai fini, je vous l'avais dit. J'ai fini hier soir tout ce qui est point de croix. Voilà, donc ça donne ça. De l'étape numéro 4, j'ai fait tous les petits bouts que j'avais laissés. Le petit gland, alors j'ai débordé un petit peu, en fait, je crois que j'ai fait... 4 petites croix qui étaient sur la page suivante, mais c'était pour que le gland il soit fini quoi. Donc, et donc voilà. Et donc au programme de demain, c'est de faire le point arrière. Et je ferai le point arrière en regardant la vidéo de Sophie.
La couture de Sophie qui a publié une vidéo sur les maisons miniatures. Et moi j'adore, alors je serais incapable de le faire parce que c'est trop minutieux et j'aurais pas la patience, je pense, enfin, ça me saoulerait. Mais j'ai hâte de voir ces petites merveilles parce que j'ai déjà regardé des vidéos dessus, enfin sur les gens qui font ça, et c'est magnifique quoi. Donc du coup, voilà. Au programme de mon 1er janvier, je vais passer mon 1er janvier avec Sophie devant sa vidéo de petite maison en faisant le point arrière de ma couronne de la forêt. Voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup, le petit oiseau est très mignon. Si ce n'est que bon, là, sans le point arrière, on voit pas. On voit bien l'aile, on voit bien le petit bidon là, mais au niveau de la tête, voilà, l'œil est là. Hop, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Mais j'ai hâte de voir avec le point arrière comment ça va donner. Parce qu'en fait, il n'a pas de pattes. En fait, les pattes sont faites avec le point arrière. Et là, c'est des igouigouis où il va y avoir une branche. Donc du coup, je le sais parce que Julia, elle, qui est plus en avance, a mis sur sa page Instagram la photo de sa page à l'étape terminée. Voilà. Donc je sais qu'on fait les petites papattes en point arrière pour qu'ils tiennent sur les branches qui rejoignent ces feuilles-là. Je ne sais plus si c'est que celle-là ou si c'est les deux, enfin bref. Voilà. Donc vous verrez cette étape complètement finie dans le vlog de la semaine prochaine. Voilà, parce que j'ai atteint mon objectif qui était bon, de faire l'oiseau pour le 31 décembre. Voilà, c'est fait. Le point arrière, je me le réserve pour demain. Et voilà. Et pour terminer, je vous montre. Alors celui-là, je ne voulais pas montrer la dernière fois, mais je crois qu'en fait, je ne voulais pas montrer. J'avais travaillé dessus, mais je ne voulais pas montrer. Donc ce sera le point pour savoir où j'en suis au 31 décembre. Le Star Wars, j'ai pas avancé. Donc en fait, ce que vous avez vu hier, c'est mon arrêt au 31 décembre parce que j'ai pas avancé et je n'avancerai pas aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, ça va être course, ménage à fond et préparation du réveillon. Entre temps, je vais essayer de monter ce vlog-là pour le sortir ce fin d'après-midi, enfin, fin de soirée. Voilà. Demain, je pourrais le faire aussi. En tout cas, je vais faire le montage aujourd'hui. Si ça se passe bien, il sera en ligne ce soir. Sinon, ça sera demain. Donc, voilà, j'ai avancé quand même un petit peu la semaine dernière, pas cette semaine. C'est juste que j'avais oublié de vous le montrer sur la chaumière de la marque APT. Voilà. Alors lui, comme je l'ai pris après, je n'avais pas mis d'objectif. Mon objectif est toujours d'avancer le petit coin pour voir le rendu, mais hop, donc c'est quand même assez confetti, donc j'ai laissé mes fils déborder. Voilà, donc j'en suis là, et on va dire que c'est pas aussi négatif que ce que je pensais au départ. Voilà, si vous avez vu les vlogs précédents, le premier, j'étais assez virulente sur la cheminée. Bon, finalement, voilà, à la caméra, ça rend plutôt pas mal, mieux qu'en vrai. Ça rend mieux qu'en vrai, c'est sûr. Mais en vrai, voilà, quand on se met loin, ça passe quand même. Donc, voilà, il faut que je finisse ce petit coin-là pour voir définitivement si je le continue. Voilà. Sachant que je ne vous ai pas ramené l'estampé du paysage japonais, mais on s'oriente vers un abandon pur et simple, parce que je n'ai pas avancé beaucoup dessus, mais le rendu, bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais le rendu me plaît moyennasse. Je vais l'avancer encore un peu, mais voilà, j'ai dans la perspective de mes objectifs pour 2023, j'ai besoin de récupérer mon métier pour mettre un autre projet dessus, donc je pense que celui-là va dégager et que je le ferai un jour où je m'ennuierai sévère et où j'aurai plus de projet, on y croit. Bref, maintenant celui-là est
pas, on va dire, de ouf au niveau du rendu, mais ça passe. Parce que honnêtement, à la caméra, oui, vous voyez plus un meilleur rendu que ce que c'est en réalité. Mais voilà, comme on dit, le point de croix, il faut le regarder de loin. Et c'est vrai que quand je fais le test, voilà, de loin, ça passe. On verra bien quel sort je lui réserverai sur 2023. Il fera partie de mon. Ça sera mon objectif en fait pour janvier. Je vous le dis en avance en fait. Il faut que je tourne cette vidéo. Si je suis motivé, je la fais demain. Sinon, si je suis trop naze, je la fais le week-end prochain. Et ça sera mon objectif de janvier, en fait, de finir le petit carré pour voir le rendu final. Voilà. Et j'ai plein d'autres idées pour 2023, mais je ne vais pas vous en parler maintenant, puisque je vais faire une vidéo spéciale. Voilà. Donc, on arrive au bout de ce dernier vlog de l'année, qui aurait été plus court, puisque cette semaine a été plus dense et j'ai moins brodé que d'habitude. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir à ce qu'on fait, pas de se forcer. Voilà, c'est pas une obligation absolue de broder de ouf pendant une semaine. Du moment qu'on le fait un petit peu, moi, ça me va. Donc, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter un bon réveillon du nouvel an. Bon, j'espère bien quand même pouvoir le sortir ce soir. Et on se dit à l'année prochaine. J'aime bien, je la fais tous les ans. Ma collègue hier, elle était morte de rire quand je lui ai dit bon, bah, l'année prochaine, à lundi, quoi. Et donc, on se retrouve en 2023 pour la même chose qu'en 2022, des vlogs, des vidéos et plein de nouvelles idées. Donc, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, d'ailleurs, en même temps, en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.